Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Excellences, Mesdames, Messieurs, on va laisser le temps à tout le monde de prendre place. En mon nom et au nom de toute l'équipe de l'Institut Amadeus, je suis ravi de vous accueillir aussi nombreux ce soir pour clôturer la 5e édition du forum Middays qui se tient au patronage de Sa Majesté le Roi. Je suis ravi d'accueillir pour cette clôture, Sius Famrani, ministre délégué aux Affaires étrangères et à la coopération, pour délivrer un message au nom du gouvernement du Royaume du Maroc à l'ensemble des participants de ce forum. Je vous rappelle brièvement, en vous donnant quelques chiffres, que vous avez été près de 2500 participants sur les 4 jours. Et je suis fier d'avoir reçu près de 500 étudiants marocains qui sont venus des principales écoles et universités marocaines pour participer à cette conférence. Et je suis fier aussi d'avoir pu écouter beaucoup d'entre eux poser des questions parfois extrêmement pertinentes aux prestigieux intervenants présents. Le Forum Middays a aussi l'ambition d'être un outil pédagogique pour pouvoir rapprocher la future élite de ce pays avec les grandes thématiques internationales. Sans plus tarder, je cède la parole à Monsieur le Ministre. Tfadl. Merci. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mesdames et Messieurs, année après année, je suis toujours un peu plus heureux de me retrouver devant cette prestigieuse audience qui caractérise depuis sa naissance ce forum de dialogue, de réflexion qu'est le Middays. Je tiens tout d'abord à féliciter Brahim Fassifiri, l'ensemble de son équipe, pour ce travail remarquable et cet espace de dialogue qui nous est offert aujourd'hui. Je suis toujours un peu plus heureux parce que ce rendez-vous annuel est l'occasion de revoir des amis, des anciens, des nouveaux, mais également parce que année après année, les rendez-vous Middays se sont imposés dans l'agenda de personnalités de ce monde. La présence aujourd'hui de Salahuddin Mezouer, ici présent, et d'autres, démontre encore une fois l'importance et la pertinence de cet exercice. Eh bien, le fait que cette belle initiative ait choisi la ville de Tanger, ma ville natale, pour abriter ces rencontres, je dois bien le dire, ajoute un peu à mon enthousiasme. Eh bien, ce n'est pas le Tangérois qui le dit, mais le Marocain, dont le socle identitaire repose sur ses valeurs cardinales, qui sont l'ouverture, n'est-ce pas, Salahuddin Mezouer, la tolérance, je m'adresse au président du RNI, le dialogue et le respect des différences. Eh bien, ce message aujourd'hui résonne, il me semble, encore plus fort dans cette ville africaine, arabe, méditerranéenne, située au port de l'Europe. Et la présence ce soir aussi du Wali de Tanger parmi nous est également un exemple édifiant. Eh bien, ces valeurs et principes que je viens d'évoquer doivent constituer les fondements de ce nouvel ordre mondial qui se dessine progressivement. Ce matin, on en parlait et qui a été au centre de votre réflexion pendant ces derniers jours. Plusieurs pistes ont été abordées dans le cadre de cette rencontre. Plusieurs autres restent à explorer. Eh bien, au regard de l'évolution des dynamiques politiques, économiques et sécuritaires, aussi bien au niveau régional qu'international, la transformation des différentes sphères de notre environnement en conduit à l'émergence d'un nouveau ordre mondial qui reste cependant encore en temps de gestation. Eh bien, la traduction de cette mutation de l'ordre mondial à travers une nouvelle culture des relations internationales et interétatiques basé sur de nouveaux modes opératoires, reste encore à définir, et c'était un peu les conclusions du débat de ce matin. Eh bien, c'est dans cet esprit que je m'apprête à partager avec vous quelques éléments de réflexion ce soir concernant la place de l'euro-méditerranéen et à travers celui-ci du Maghreb dans ce nouvel ordre mondial en devenir. Le Maghreb, oui,
Nous sommes aujourd'hui au début d'un nouveau cycle de l'histoire. Et de ce fait, il nous incombe à tous de lui donner la juste impulsion ainsi que la bonne orientation. C'est à Tanger d'ailleurs que les partis politiques maghrébins ont lancé en 59 cette idée de l'idéal maghrébin. Et pour ce faire, encore une fois, je vais citer Mouzoir, nous devons être à l'écoute, dialoguer davantage, se concerter, et par le jeu des interdépendances irrémédiablement grandissantes, évoluer vers une nouvelle culture basée sur un véritable esprit de partenariat et une solidarité agissante en phase avec les défis que nous devons relever ensemble. Et dans ce sens, les partenaires européens du Maghreb, ce matin on a parlé avec Trinidad Jiménez, doivent actualiser leur approche et leur regard vis-à-vis du sud de la Méditerranée. Bien sûr, nous aussi, au niveau des pays du sud de la Méditerranée, nous devons également saisir l'opportunité que nous offre ce moment historique pour optimiser davantage, optimiser d'abord les atouts dont nous disposons afin de s'ancrer dans la mondialisation. Alors, de ce point de vue, il apparaît comme une évidence que le Maghreb a plus vocation que jamais à être une simple région d'un espace méditerranéen peinant à trouver sa cohésion politique. Et l'espace maghrébin a vocation à être un moteur de cet espace euro-méditerranéen. Et bien, l'avenir passe par la construction d'un modèle maghrébin innovant, transcendant les obstacles politiques, parce que les obstacles existent, et un modèle ouvert aussi, ouvert sur son voisinage, et transcendant les frontières aujourd'hui. Et un modèle en phase avec les aspirations populaires, parce que le Maghreb est une réponse à une aspiration populaire aujourd'hui partagée par l'ensemble des pays maghrébins. Et notamment pour les jeunes, qui aujourd'hui veulent un Maghreb fort, et veulent un Maghreb qui leur ouvre des opportunités, notamment en matière de création d'emplois. Et donc, aujourd'hui, le Maghreb n'est pas seulement un idéal partagé, c'est une nécessité politique, c'est une nécessité économique et c'est une nécessité sociale. Cela suppose, bien entendu, nous sommes en train d'y travailler avec quelques difficultés, la nécessaire redynamisation des instruments de l'humain. Cela implique une renaissance de l'idée même du Maghreb dans sa conception idéologique et philosophique. Le Maghreb de demain sera démocratique ou ne sera pas. Le Maghreb de demain devra être fondé sur de nouveaux modes de gouvernance, sur le respect des libertés individuelles, des droits de l'homme, ainsi que sur une véritable représentation politique. C'est pourquoi aujourd'hui, au-delà, et je mesure mes mots, des réticences politiques de certains, nous devons ensemble, Marocains, Maghrébins convaincus et Européens aussi, œuvrer à la promotion du nouveau mode opératoire à travers le soutien à la société civile, etc. Parce que le Maghreb, en fin de compte, est le garant de notre prospérité, de notre stabilité et de notre sécurité partagée. Ce matin, on a parlé de ce concept de sécurité partagée. Alors, ce potentiel futur, nous devons aujourd'hui le préparer ensemble, en préparer les fondements, et nos amis européens doivent nous accompagner dans ce véritable, ou dans le cadre plutôt d'un véritable partenariat, un partenariat uni, solidaire. Alors, il s'agit aujourd'hui, ce matin je parlais lorsque j'ai abordé la question du Sahara marocain, il s'agira de libérer les synergies qui nous permettra de construire un espace cohérent, intégré et apaisé, fondé sur des valeurs partagées. Alors, je voudrais conclure en disant que si l'UMA peut sembler être à certains égards une réalité incertaine, la dynamique de démocratisation engagée au Maroc peut contribuer à sa mesure à faire évoluer l'idée que nous faisons du Maghreb intégré. Le processus de réforme irréversible engagé au Maroc sous la puissance de Sa Majesté le roi Mohamed VI depuis plusieurs années a montré la voie. Sa Majesté a tracé le cap à travers la mise en œuvre d'un modèle démocratique original, authentique et respectueux des caractéristiques intrinsèques au pays. Tout à l'heure,
encore une fois, je m'excuse, Salah Ad-Din Mouzoua, critiquer le gouvernement dont je suis parti. C'est vrai, nous passons par des moments difficiles, mais ce modèle démocratique novateur, parachevé par, j'ai vu, c'est Haddad qui est là, heureusement, je suis solidaire, parachevé par l'adoption par référendum de la dernière constitution, repose sur un socle de valeurs universelles, consacrant, c'est un processus qui est irréversible, parce qu'il consacre les libertés individuelles, les droits de l'homme, le respect du droit des différences, le respect du droit des différences, les sensibilités culturelles, afin qu'ils puissent s'exprimer de manière libre dans ce pays que nous voulons libre. Et bien, ce projet moderniste est basé sur l'essence même du référentiel identitaire marocain, sur son patrimoine historique, culturel, civilisationnel, et sur des concepts fondamentaux que sont l'ouverture, la tolérance et le respect des différences. Et bien, dans ce cadre-là, la régionalisme a avancé, Sa Majesté en parlait dans son dernier discours, permettra de parachever le modèle démocratique marocain à travers la mise en œuvre de mécanismes assurant une meilleure représentation des citoyens. Alors, au-delà de ce référentiel linguistique, spirituel et culturel commun, les Maghrébins, je termine par le Maghreb, partagent aujourd'hui les mêmes ambitions, mais ils partagent également les mêmes inquiétudes, les mêmes interrogations et les mêmes défis à relever. Donc, il faut aujourd'hui que les Maghrébins soient entendus et que leur aspiration partagée à œuvrer à l'émergence d'un Maghreb uni et prospère cesse d'être contrariée par des considérations politiques d'un autre temps et hermétiques aux évolutions récentes de notre monde. C'est ce que je retiens aujourd'hui, ce débat, ce matin. J'avais des Afghans qui parlaient, des Américains, et on parlait de l'intégration régionale qui, aujourd'hui, nous donne une opportunité pour surmonter ces difficultés. Parce que l'idéal maghrébin n'est pas figé, mais pour dépasser, disons-le sans détour, l'absence d'une réelle volonté politique partagée, ben, elle est là. Mais encore faut-il imaginer de nouveaux modes opératoires, de nouveaux axes pour aller de l'avant. Voilà, je voudrais terminer, enfin, pour remercier Amadeus pour nous avoir offert cette possibilité d'échanger, d'écouter les uns et les autres, parce qu'il s'agit aujourd'hui essentiellement de déconstruire des schémas, des stéréotypes qui s'inscrivent dans l'ignorance de l'autre, dans le non-respect de l'autre, et c'est là où nous invite Amadeus à un débat où on écoute l'autre et on respecte l'autre. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Je vais vous succéder à la tribune pour conclure les travaux de cette cinquième édition avec une tradition. Cette tradition, c'est la déclaration de Tanger qui sanctionne les travaux de ces 4 jours de marathon intellectuel, ces 4 jours où des thématiques prioritaires dans l'agenda international ont été débattues par des personnalités qui vivent au quotidien ces questions-là. On a tous su apprécier la participation du Premier ministre du Mali alors que son pays aujourd'hui vit les moments les plus sombres de son histoire post-indépendance. Sur la question syrienne, nous avons également parmi nous des membres de l'opposition syrienne, mais également sur d'autres questions, comme la question iranienne, la question de l'Afghanistan, du Pakistan, mais aussi sur des questions beaucoup plus transversales, comme la croissance durable, la croissance verte, le développement, mais également les questions de sécurité. Et Monsieur le ministre délégué a participé ce matin, Allahu Akbar, à une séance extrêmement fructueuse, extrêmement profonde, où des spécialistes de la sécurité internationale sont venus enrichir les débats. Sans plus tarder, et avant de procéder à la lecture de la cinquième déclaration de Tanger, j'aimerais remercier tout d'abord
Sa Majesté le Roi, Mohamed VI, que Dieu l'assiste, d'avoir voulu honorer une nouvelle fois cette édition par son haut patronage. Également remercier l'ensemble des partenaires de l'Institut Amadeus, sans qui cet événement ne peut pas avoir lieu, que ce soit les sponsors, mais aussi les partenaires médias. Et j'aimerais, depuis cette tribune, remercier l'ensemble de la presse accréditée, puisque nous avons reçu près de 150 journalistes pendant ces 4 jours. Et nous sommes fiers de pouvoir attirer autant de journalistes. Ça veut dire que les thématiques que nous abordons sont des thématiques intéressantes, ce sont des thématiques utiles. Je voudrais également remercier, en la présence de M. le Wali, les autorités locales, l'ensemble des éléments, de l'ensemble des services de sécurité qui ont œuvré pour le bon déroulement de cette 5e édition, mais également tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de cet événement. Il y a bien entendu l'équipe de l'Institut Amadeus, que j'appellerai après la déclaration de Tanger à me rejoindre, mais aussi donc toutes celles et ceux qui ont contribué à la réussite de cet événement. Je vais donc, sans plus tarder, procéder à la lecture de la 5e déclaration de Tanger. Au terme de ces 4 journées de débats consacrées à l'exigence d'un nouvel ordre mondial, la présente déclaration est rendue publique. Considérant la place centrale accordée au développement humain et à la démocratie par le Forum MEDDES depuis sa création en 2008, considérant les récents bombardements meurtriers de l'armée israélienne sur la bande de Gaza et l'escalade de la violence qui en découle, considérant l'initiative de la diplomatie palestinienne en vue de l'adhésion de l'État de Palestine aux Nations Unies à travers le vote de l'Assemblée Générale, ainsi que le développement illégal des colonies en Cisjordanie et Al-Quds Sharif, considérant la nécessité d'un rééquilibrage des instances de gouvernance et des institutions internationales en faveur d'une meilleure représentativité des pays émergents, considérant l'importance du renforcement des coopérations entre les pays émergents et notamment les pays du continent africain, en vue d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement, considérant la 20aine d'élections présidentielles et législatives organisées sur le continent africain en 2012 et l'exemplarité du processus de transition électorale au Sénégal, considérant la détérioration permanente de la situation sécuritaire en Syrie, les atteintes aux droits humains et la récente unification de l'opposition au sein de la coalition nationale, considérant la crise sécuritaire aiguë qui prévaut au nord du Mali, devenu un sanctuaire pour les mouvements djihadistes et les trafics en tout genre, et qui menace par son intensité la stabilité de toute la région sahélo-saharienne, considérant la nécessaire transition politique, sécuritaire et économique après le retrait des troupes de l'OTAN d'Afghanistan, considérant les risques liés au réchauffement climatique pour la sécurité alimentaire et la protection de l'environnement, considérant les perspectives de relance économique portées par la croissance verte, considérant la crise de la représentation démocratique en Europe qui alimente les manifestations sociales d'envergure, considérant enfin l'importance de la promotion de l'entrepreneuriat féminin comme voie de réalisation du 3e objectif du millénaire pour le développement relatif à la promotion de l'égalité des genres et à l'autonomisation des femmes, entendu les positions et les propositions des éminents intervenants invités lors de ce forum MEDDES, nous émettons les 15 recommandations suivantes en vue de répondre aux nombreux défis socio-économiques, politiques et sécuritaires auxquels fait face aujourd'hui le monde avec une intensité plus exacerbée et imprévisible. Recommandations en matière de sécurité et de résolution des conflits. Construire une nouvelle architecture de la sécurité globale basée sur les principes de coopération régionale, de mutualisation des moyens de défense et de projection rapide et large des forces de dissuasion. Encourager la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, à prendre le leadership dans la résolution de la crise malienne et appeler l'ensemble des pays voisins, y compris tous les pays du Grand Maghreb et les grandes puissances internationales, à soutenir logistiquement la CEDEAO afin que l'État malien puisse préserver son intégrité territoriale et lutter contre les menaces terroristes et mafieuses. En Afghanistan, mettre en place des institutions garantissant la cohabitation des différentes ethnicités et minorités pour promouvoir la réconciliation nationale et garantir la tenue d'élections transparentes, libres et démocratiques.
C'est dans ce sens que le Forum MEDEIS a remis son prix de l'initiative politique à Madame Fawzia Koufi, vice-présidente du Parlement afghan. Recommandation sur la stabilité au Moyen-Orient, suite au bombardement israélien sur la bande de Gaza. Soutenir plus que jamais la demande d'élévation de la Palestine au statut d'État non membre de l'ONU à travers le vote de l'Assemblée générale prévu pour le 29 novembre prochain. Condamner le recours à la force au Proche-Orient et les bombardements sanglants et disproportionnés d'Israël à l'encontre du peuple palestinien. Œuvrer sans relâche au retour de la trêve dans l'intérêt des populations et au règlement du conflit israélo-arabe dans le cadre de la légalité internationale sur la base d'une solution à deux États souverains et d'un retour aux frontières de 1967. En vue de la prochaine réunion du groupe des Amis de la Syrie prévue au Maroc, monsieur le ministre délégué, soutenir les efforts de médiation de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU afin d'assurer la protection de la population civile syrienne contre les violences perpétrées par les deux camps. Œuvrer pour l'unité de l'opposition syrienne autour du comité de l'Initiative nationale syrienne qui doit rassembler l'ensemble des composantes de la société syrienne afin de préparer au mieux la transition. Appeler le Conseil de sécurité des Nations Unies à voter une résolution pour la mise en place d'une zone d'exclusion aérienne au nord de la Syrie. Recommandation sur la gouvernance au sein des institutions internationales. Améliorer la représentativité des pays émergents dans les institutions internationales. Militer pour la création du groupe de coordination financière et économique proposé par la Banque mondiale, réunissant les ministres des Finances de l'Arabie Saoudite, du Brésil, de la Chine, de l'Inde, du Mexique, de la Russie, des pays du G77, appeler la communauté internationale et en particulier la Ligue arabe, l'Union européenne et les États-Unis à encourager toute initiative visant à relancer l'intégration maghrébine, se matérialisant par la tenue du sommet des 5 chefs d'État du Grand Maghreb et à la réouverture des frontières terrestres entre l'Algérie et le Maroc. L'initiative de Tanger. Pour rappel, chaque année, le Forum MEDEIS porte une initiative. Cette année, l'initiative porte sur les questions de lutte contre le trafic de faux médicaments en Afrique. Considérant les risques engendrés par le trafic de faux médicaments, près de 10% du marché mondial du médicament, sur la santé publique, individuelle et collective, considérant le développement de la consommation des amphétamines et autres substances dangereuses par les jeunes avec comme conséquence la recrudescence de la délinquance et de la criminalité, considérant le manque à gagner pour l'État en matière de taxes et de fiscalité et la mise en péril du secteur pharmaceutique suite au développement du marché parallèle des médicaments. L'initiative de Tanger formule les trois recommandations suivantes. Mieux sensibiliser les populations sur l'étendue de la propagation des faux médicaments et améliorer les dispositifs de contrôle. Mettre en place un cadre juridique international pour mieux lutter contre les trafiquants au-delà des frontières et promouvoir l'harmonisation des normes. Soutenir enfin la mise en place de systèmes de protection sociale dans les pays en développement et accroître la production de médicaments génériques. Fait à Tanger le samedi 17 novembre 2012. J'appelle l'ensemble de l'équipe de l'Institut Amadeus à me rejoindre avant de clôturer officiellement les travaux de cette cinquième édition. Et je vous le demande de les applaudir parce que depuis près de 6 mois, ils œuvrent tous sans relâche pour le succès de cette cinquième édition. Les MEDEIS sont le fruit d'un effort collectif et je suis fier de pouvoir être à la tête de cette belle équipe qui réussit les miracles les plus incroyables et inattendus. Merci à vous. Merci à vous d'être venus si nombreux cette année, je l'ai dit en introduction, 2500 participants. Je vous dis Inch'Allah l'année prochaine.
parce que cette cinquième édition, c'est l'édition de la continuité. Le Forum EDES est aujourd'hui ancré dans l'agenda international des grandes conférences. Et je suis fier de pouvoir organiser chaque année au Maroc une conférence de ce niveau. Merci à vous.